Voilà, à mes côtés, un joueur de grande classe par le passé qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre, Monsieur Freddy Lux. Vos impressions sur la rencontre que vous avez vue? Mais écoutez, d'abord, je vais vous donner une impression globale par rapport à mon ancien club. D'abord, je félicite ses dirigeants, ses joueurs, son entraîneur pour la magnifique saison qu'ils sont en train de réaliser. Donc, je ne m'arrêterai pas aujourd'hui à ce résultat contre l'Antwerp, qui, quelque part, est un petit peu décevant. Mais je crois que je serai sur le bon chemin. Bon, maintenant, pour revenir à la rencontre d'aujourd'hui. Ben, je vous dirais qu'ils sont tombés sur une équipe expérimentée, qui n'est pas à sa place, ça c'est certain, et qui, je vais dire, a su profiter du fait que Seraing n'a pas concrétisé ses premières occasions dans ce match. Voilà. Les Cerisiens aujourd'hui, un petit peu en dehors de la partie? Ben, écoutez, moi c'est le cinquième match que je viens de voir cette année, et c'est vrai que les Cerisiens m'ont habitué offensivement à autre chose. Mais encore une fois, je tiens à souligner la bonne organisation de l'équipe anversoise et surtout le fait de ne pas avoir concrétisé de réelles chances de but en début de match. Monsieur Lux, on pourra encore vous revoir ici à Seraing? Ben écoutez, vous savez, moi je n'habite pas très loin d'ici, premièrement, et Seraing, ça reste un club où j'ai passé des moments inoubliables. Donc bien entendu, vous me reverrez, oui. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Avec grand plaisir.